Bonjour les amis, le sujet d'aujourd'hui, on va parler des hackers qui attaquent Facebook, qui attaquent vos comptes, vos pages, vos groupes et tout ça. Parce que en ce moment, c'est pas ça qui manque sur Internet. Il y a énormément de hackers qui n'ont rien à foutre et qui vont vous attaquer ou pour nuire à votre personne. C'est clair et net. Donc, je vous montre là le PDF que je vais vous envoyer. Ça, c'est la couverture, c'est à chaque partage. Attention aux hackers sur Facebook. C'est vraiment très, très, très grave. On va voir ce que j'ai préparé pour vous. Alors, vous allez tomber sur la première page. C'est Article BDM. C'est un site qui est très connu et qui vous parle de Facebook. 20 millions de numéros français piratés et mis en ligne, ce qu'il faut savoir. Bon. Le journaliste, la date, c'est récent, et puis un chapeau, comme on le dit dans la presse. Et puis il y a l'article. Mais l'article, il n'est pas terminé, parce qu'il faut lire la suite. Avant, il y a Twitter. Il y a Twitter, regardez ce qui va se passer. Chaque fois que vous voyez, par exemple, cette écriture, c'est-à-dire que le truc, c'est un lien qui va vous diriger quelque part. Donc Twitter, il va vous diriger vers Twitter, parce que c'est lié, bien entendu, à cet article. Vous cliquez, je ne veux pas cliquer parce que je vais entrer dans les sites, dans des vidéos et tout ça. Et normalement, il y a toujours des ennuis avec YouTube et les autres. Parce que ben, il ne faut pas qu'on entende une musique, il ne faut pas qu'on voit par exemple une scène, parce que c'est déjà paramétré chez YouTube par exemple, et puis qui vous demande d'annuler ça. C'est pour ça que je vais pas cliquer dessus. Donc là où vous voyez l'index sur le mot, et puis il y a le truc là qui va s'afficher. Bon, oui. Mais vous cliquez et vous êtes directement dans ce qu'ils évoquent ici sur Twitter. Ok? Et puis là, c'est lire la suite. Donc, l'article, il est très très long. Pas très très long, mais vous allez cliquer, vous allez être redirigé vers l'article de base qui est bien entendu édité sur BDM. BDM, là où vous voyez par exemple des flèches comme ça, c'est-à-dire que c'est un lien. Vous cliquez ici, vous allez tomber dans la même chose qu'ici, c'est-à-dire que vous êtes dans le site. Et vous allez bien entendu vous retrouver comme ça. BDM, bien entendu, va voir, quand il va voir cet article, il sait qu'il a été partagé par le biais d'un PDF et qu'il n'a pas été de toute manière volé ou quelque chose comme ça. OK? Vous voyez la présentation, c'est vraiment très très joli comme un PDF que vous devez télécharger. Et là, c'est l'article BDM, voilà, un œil qui regarde par le trou informatique et tout ça. Et il y a la deuxième page. Il y a une deuxième page où on voit, c'est le même sujet, c'est-à-dire que j'ai ici le sujet de piratage sur Facebook, mais c'est piratage, le numéro français piraté et mis en ligne. Donc voilà, c'est des pages, etc. Et là, nous avons exactement le même sujet. Ça concerne bien sûr le piratage sur Facebook exclusivement. Tout ce document, il concerne rien que Facebook. Et même sujet, mais en vidéo sur YouTube. Donc, vous avez ici 9 vidéos qui parlent du même, bien entendu, du même sujet, mais qui n'est pas abordé de la même façon. C'est-à-dire que l'article parle de quelque chose et chaque vidéo ici parle d'autre chose. Vous voyez, c'est même Squeezie, il intervient dans un cas qui l'a affecté à un moment donné. Ok? Donc, il y a bien entendu, les portables, les mobiles, enfin, ça concerne tout. J'ai aligné ici, bien entendu, 9 vidéos plus un article dans la première page comme je vous ai montré. Et ben, ça va vous parler de celle-ci, par exemple pirater, se faire pirater. Il va expliquer son cas lui, et puis lui aussi il a été piraté, mais il va bien sûr, il se fait passer pour
Pour moi, ben, c'est quelqu'un qui carrément s'accapare de son compte et il se fait passer pour lui. Tu vois, vous voyez. Donc, Squeezie, lui aussi, il a un problème, et celui-là, c'est un professionnel, bien sûr, dans le net, un site, mais il fait beaucoup de vidéos, et là, il vous explique, dans le cas où vous avez peut-être, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, bon, il y a, par exemple, des trucs sur le téléphone portable, pour savoir si vous avez été piraté ou pas. Il y a des trucs qu'on va vous enseigner, c'est normal. Et là, bon, ce site piraté des comptes Facebook, et puis il va vous expliquer son cas, ça aussi. C'est tous ils parlent chacun de son côté, de son problème personnel. Comment récupérer son compte Facebook piraté ou volé? Celui-là, il va vous donner, bien entendu, des solutions qu'il a vécues lui-même. Et j'ai oublié de vous parler de ces flèches-là. Ces flèches-là, normalement, c'est la présence d'un lien. Vous voyez là, j'ai une main ouverte et j'ai une main fermée avec l'index. C'est-à-dire que ça, c'est un lien, ça, c'est un lien, ça, c'est un lien, etc., 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 etc. Donc, vous avez vu la mouture de mon nouveau document. Au lieu de vous donner seulement un truc, seulement un truc sur un problème donné. Là, j'ai bien entendu le problème, c'est le problème causé par les hackers sur Facebook, mais j'ai un article, bien sûr, que vous allez trouver dans un site, ça va vous reconduire directement sur le site, et vous avez ici le 9 vidéos. Donc, vous allez bien entendu avoir énormément d'angles de vue sur le même problème. Et je vous assure qu'il faut télécharger ou ouvrir ce PDF parce que ça va vous donner des pistes vraiment que vous ne connaissiez pas sur le piratage sur Facebook ou ailleurs, par exemple. Bon, jusque-là, bon, je suis bien entendu content que vous tombiez sur ce document. Et puis, j'ai laissé ici, c'est moi, je suis hashtag partage, je partage tous les contenus des autres, bien entendu, c'est quoi? Hashtag partage, il y a un lien pour tomber exactement sur ce que j'ai préparé pour vous, c'est un guide. Ça, c'est un guide de formation offerte par les pros du web. Vous comprenez? Et à chaque partage, c'est plusieurs articles et vidéos par jour. Plusieurs articles et vidéos par jour pour réussir dans votre business. Donc, je vous demande bien entendu de vous abonner. Et puis, à chaque partage, normalement, c'est un PDF interactif et gratuit interactif. C'est-à-dire que vous allez cliquer ici, vous allez rediriger, etc., etc. Voilà. Ben, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Merci et à demain.